de réquisitionner les logements vacants, inoccupés parfois depuis 10 à 15 ans, un pouvoir jusqu'ici réservé à l'État. Parmi les élus engagés sur le sujet, la députée écologiste de Lyon, Marie-Charlotte Garin, qui s'est souvent exprimée sur les enfants à la rue à Lyon. Écoutez-la au micro d'Arthur Blé. Aujourd'hui à Lyon, à l'heure où je vous parle, sont encore des enfants, des femmes, des hommes qui dorment dehors avec des températures négatives plusieurs soirs de suite. La réquisition, c'est effectivement une solution parmi d'autres. C'est de se dire que on a a priori à peu près 6000 logements sur la métropole de Lyon qui seraient vacants depuis plus de 2 ans. C'est le pouvoir de l'État que de les réquisitionner et de dire bah voilà, on va en avoir besoin, c'est encadré par la loi, il ne s'agit pas d'une expropriation, hein, tout ça est bien réglementé, pour dire bah voilà, on encadre tout ça et de manière temporaire, on va mettre ces logements à disposition des personnes qui n'en ont pas. Parce que force est de constater que dans ce pays, on a échoué sur le logement social. Donc de facto, les personnes qui sont dans l'hébergement d'urgence aujourd'hui, on a du mal à les en sortir pour leur permettre d'accéder à un logement.